Hi, I'm Eric Ford for Made Here. Director Sarah Christine Borahane from Quebec City paints a lavish image of Quebec farm life in her film, The Winding Farmland. On their farmstead, Carl and Alexandra are attempting to take on the life of their forefathers, but cannot escape the reality of the modern world. The struggles and beautiful simplicity of rural life and self-sufficiency look very similar, whether in Vermont or Quebec. You could watch The Winding Farmland and many other Made Here stories about the region streaming on VermontPBS.org and through the PBS app. Enjoy the film, and thanks for watching. Sais-tu c'était quelle grand-maman qui faisait ça, Éléonore? C'est grand-maman Bilodeau. Antoinette Bilodeau. C'est son chaudron en plus. Ah, c'est le chaudron à elle? Ouais, c'est le chaudron à grand-maman. Elle te l'a donné? Ouais. Elle accumulait comme tout son gras pendant tout l'hiver. Fait que nous autres aussi, c'est le gras de notre cochon. Au printemps, comme ça, il faut qu'il y ait encore de la neige, c'est bien important. Mais là, elle prenait tout son gras, mettait ça tout dans le chaudron, puis elle faisait son savon. En tout cas, moi, j'aime même mieux... faire mon savon comme ça dehors, dans le chaudron à côté d'un beau feu, que de partir puis aller m'acheter du savon à l'épicerie ou dans un magasin, là. Maman? Oui? J'ai une idée. Quoi? Sais-tu, Léonard, comment papa et maman se sont rencontrés? On était allés toutes les deux chez notre amie Chantal. Chantal, c'était une ermite. Puis là, on a chanté des chansons à répondre. Carl a sorti son harmonica, il a joué de la musique. Puis là, je dis à Carl, « Carl, tu viendrais-tu avec moi? » C'est à Côte-Nord. Je pars là, au mois de janvier, quand les lacs vont être gelés, quand la neige va être tombée. Là, au début... Papa, il me trouvait... Hey, ça me tentait pas. Je me disais, elle est folle. Mais finalement, j'ai changé d'idée. J'ai décidé d'y aller. J'ai trouvé que c'était une belle folie. Ça me tentait. Ça me tentait d'aller refaire comme les premiers arrivants quand ils ont découvert le territoire puis qu'ils agrandissaient toujours un peu plus loin puis qu'ils allaient vers l'inconnu s'installer.
dans le monde d'aujourd'hui, il me semble qu'on n'a plus ça, ces beaux défis-là de courage puis de se surpasser. Quand même, okay. On achète des bananes. On achète un bon caramel. Pour pas attraper le scorbut. Non, le scorbut, c'est plus la vitamine C. Fait qu'on prend du sapin, des branches de sapin ou des branches de cèdre. C'est que les amérindiers, c'est là. Ouais, c'est ça. J'avoue que les bananes, on a un petit peu la misère à s'en passer. Parce qu'on sait que la banane, elle vient de super de loin. Fait que, tu sais, tout le transport qu'elle prend, tu sais, pour s'en venir ici, toute la pollution, fait que oui, ça... Idéalement, là... ça serait de même l'enlever de notre alimentation. On y va petit à petit aussi. Là. Quand on est arrivé ici, tu sais, c'est ça, ça a été beau parce que les deux, ça l'a dit vraiment oui très fort dans notre cœur. Fait que ça a été vraiment l'unité qui a été notre signe que c'était ici notre place, que c'était ici la volonté de Dieu aussi. Mais en même temps, tu sais, pour moi, c'était pas exactement comme l'idéal que j'avais rêvé. Fait que là, arriver dans une maison avec l'électricité, des gros lustres, là, on n'avait pas de frigidaire. Fait qu'on a comme vécu le premier hiver pas de frigidaire. Ça allait bien. On n'avait pas de laveuse. On a vécu le premier hiver pas de laveuse non plus. Je lavais tout le linge à la main. J'aurais aimé continuer comme ça ou trouver des moyens pour faire un frigidaire dans la terre, tu sais, un caveau, puis garder nos légumes là, puis... pour, en fait, être le moins possible aussi dans la consommation. Parce que, moi, un frigidaire, c'est très, très utile. Mais en même temps, on sait que le fréon qu'il y a dedans pour refroidir, bien, ça pollue full. Puis après ça, quand il brise, bien, on le jette puis il se répare pas. Mais c'est ça. En même temps, là, la première hiver, pas de frigidaire, ça allait bien. Mais là, après ça, l'été arrive. Là, le lait, les produits laitiers, ça se conserve moins bien. La viande non plus, ça marche pas. Le téléphone sonne. Vous avez le téléphone aussi? Allô? Allô, Alexandra? Oui! Mmh. Oui! Ah, c'est Sonia! Bonjour, je t'avais pas reconnue! Oui! Alors là, je veux essayer de faire du fromage avec la culture là, que tu m'avais envoyée. Ben, c'est mes parents qui m'avaient ramené ça de la Colombie. Oui. Oui, bien moi, j'ai vraiment beaucoup de lait. Fait que tant qu'à faire une batch, d'habitude, j'en fais beaucoup. Là. D'habitude, j'en fais pour 20 litres. Mais comme Pierre me disait, je suis peut-être aussi bien de commencer par moins. Sinon, prends-le, j'en ai un. Eux autres, ils ont deux graines par pot. On va garder le plus beau. Qu'est-ce qui est arrivé à ton pouce? Ah, mon pouce! Ah, je me suis fait une petite graphigne avec un couteau.
Puis là, ben, c'est ça, là, j'avais pas le temps d'arrêter. Fait que je me suis guéri avec. Je me suis mis de la crème avec du plantain. Du plantain, ça aide à la cicatrisation. Puis du tape électrique, puis un épingle à linge pour le tenir douette. Puis on n'a pas vraiment le temps d'arrêter. Surtout pas d'aller à l'urgence. Là, c'est... On voulait pas trop d'équipement possible. On voulait justement pas embarquer dans la roue de l'endettement. Mais à un moment donné, bon, on s'est rendu compte que notre travail allait passer vite. Puis, tu sais, moi, je pensais que si tu consommes peu, t'as pas beaucoup besoin de gagner d'argent. Mais en même temps, il y a des affaires qui nous sont imposées. Comme même si je consomme peu, ben, tu sais, l'électricité, le gaz, tout ça, le téléphone, je le paye le même prix que les autres. Fait que là, on s'est rendu compte que. On a bien beau avoir une idée, mais tu sais, il faut vivre dans le monde qu'on est. Puis... fait que là, ça fait juste apporter de la frustration de voir ça. Mais c'est ça, on peut pas vraiment changer un système. Fait que finalement, ça finit que, comme on peut pas changer les autres, il faut changer soi-même. De Dieu et goûtons la présence de Dieu qui est en nous. On va confier à toutes les personnes qui vont venir demain aussi. Oui, c'est vrai. Ça va être une grande journée demain. Les forces nécessaires dans les pour faire tout l'ouvrage qui nous attend. Donner toujours aussi le courage et la conviction dans toutes les contrariétés qu'on a à traverser. T'sais, des fois, on se demande, c'est quoi, on n'est pas un lieu touristique. Les gens viennent-tu consommer quelque chose? Ils viennent-tu... C'est sûr que c'est beau ici, c'est la nature, puis surtout pour les gens de la ville, c'est quelque chose de beau à regarder, tout ça. Mais des fois, on entend dire les gens, on vient vous aider, puis fait que là, on se dit, coudonc, on est-tu des gens misérables qu'on a besoin du secours de tout le monde? Fait qu'on se questionne toujours, c'est quoi le sens de la mission? Le but, c'est pas de dire de ramasser tout le monde puis de s'accaparer tout le monde. C'est pas ça, le but, tu sais. C'est... Puis le but, c'est pas le projet de Carl non plus, tu sais. C'est que ce soit un projet communautaire. Parce que... projet qui rayonne. Si ça apporte rien, tu sais, c'est... pourquoi continuer? Aussi bien faire de quoi d'autre, tu sais. Faire comme tout le monde, puis faire notre petite vie tranquille. Puis... Thank you.
Et c'était cueilli, Léonard. Qui t'a cueilli? Ah, ouais, c'est vrai, t'as cueilli. Moi, t'as pas ça que cueilli? Non. Hein? T'as cueilli une barre de chocolat? La pousse d'un arbre, ça? Non, c'est Violette qui me l'a donné. Oh, t'es allé chez la voisine qui a été le chocolat. C'est pour que ça fasse. Ah ouais? Ouais, fait que ton petit jardin ici, là, il y a du chien d'un dedans, là. Ouais. On pourrait tracer la corde avec ça. Oh my God, une araignée! On entend l'engoulevent. Un oiseau qui monte, puis quand il descend, il fait avec sa queue. Mais c'est pas ça, c'est ça. C'est sa queue qui fait le hou 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 avec le vent. Il y en a vraiment beaucoup ici. On les entend souvent. Travailler les mains dans la terre comme ça, ça m'amène vraiment à une grande simplicité. Tu sais, il y a quelque chose du moment présent, là. C'est même des fois, je pense pas nécessairement à quelque chose d'autre, je pense pas nécessairement à l'avenir qu'il va y avoir ou au passé, mais je suis vraiment comme là, je plante là, puis je vais... Tu sais, je pense même pas à ce qu'ils vont devenir, là, tu sais, je... Ce serait plaisant de travailler tout le temps lentement, là. Mais tu sais, la réalité aujourd'hui, c'est plus ça, mais l'agriculture, ça devrait être ça, tu sais. Pendant des millénaires, c'était ça, là, l'agriculture, c'était le symbole de la liberté, puis de... La contemplation, là, ça a comme changé bout pour bout. Mais c'est vrai que travailler tranquillement, on dirait qu'on rentre dans le moment présent. Quand on va vite, on pense juste à... On a un objectif, tu sais, faut produire, faut faire tel ouvrage, mais travailler tranquillement, là, ça devient quasiment comme de la dégustation. Là. T'sais, quelqu'un qui fait une dégustation, c'est pas quelqu'un qui meurt à la course puis qui s'empiffe puis qui est pressé vite. Là, t'sais. Quand il déguste, il prend le temps de goûter les saveurs des aliments. T'sais, là. La reine, elle est vraiment pas droite, elle est calme. T'as fait ça pour me faire plaisir, je crois. C'est ça. Moi, j'aime ça quand il y a des petites courbes, quand c'est pas droit, là, tu sais. Et Carl a fait ça pour me faire plaisir. C'est sûr qu'une plantation, c'est monotone. Hein. C'est quand c'est tout édouette, calculé. C'est pas comme de quoi qui est poussé naturel. Quand c'est naturel, c'est un peu n'importe quoi. Là. C'est ça qui fait la beauté de la chose. Non, c'est pas juste un repas de beurre, là. Non, mais c'est pas fini, mais puis, Tu casser les plantes. Ouais. Non! Sinon, on va les manger. C'est pas drôle. C'est bon, les fleurs? Non. On est d'une drôle d'époque. T'sais, maintenant, les fermes font plus le coût de production. Ils vendent moins cher que ça leur coûte à produire. Fait que comment est-ce qu'ils font? Ben, t'sais, le monde commence à embarquer sur le crédit. C'est comme une économie artificielle. T'sais. Tu peux être endetté à la moitié de ta capacité, mais tu continues parce que le crédit existe. C'est comme si aujourd'hui, on avait accepté que on vit, mais sans payer notre dette.
Tu dis, ben, si j'ai pas fini à ma retraite, ben, je transmets la dette à l'autre génération. Fait que, tu sais, c'est quand même drôle de penser comme ça, tu sais. Trouves-tu belle notre terre, Eleonore? Oui. Es-tu grande? Oui. Ça va être à qui, après moi, la terre? Maman, après ça, c'est moi. Après ça, c'est Baptiste. Ouais. Ça va être à toi, puis Baptiste. Qu'est-ce que tu vas faire, toi, avec la terre? Je vais travailler. Vas-tu faire encore des légumes? Oui. Quoi d'autre? Je vais arriver à Baptiste. Fais de la boîte. Fais de la boîte? Ouais. Là, toi, il faudrait que tu viendrais bûcher avec moi l'hiver prochain, là. Commencer à regarder ça, hein? Ouais, mais papa, je t'ai regardé cette année. Ouais, puis tu vas être capable après ça? Ouais. Ben, quand je vais être plus grande, là. Ben oui. J'en vais aller pour venir m'aider. Ouais. Puis s'il est plus là, peut-être qu'il sera plus là tout le temps. Ouais, c'est qui va venir m'aider? C'est qui? C'est qui? Tu penses quoi? Ça va être moi qui va t'aider. Là, tu vas être plus là. Ah. Quand tu vas être plus là, qui va m'aider? Ben, je sais pas, là. Tu vas avoir tes enfants. Tu vas avoir tes enfants, puis tu vas avoir tes autres frères et sœurs qui s'en viennent. C'est vrai. Allez pouvoir y aller en famille. Ta pipi était tendue. Non. Moi, était tendue. Vermont PBS, partnering with local filmmakers to bring you stories made here. For more, visit vermontpbs.org.